transformées en pierres. Ah mince. On appelle ça les pierres de runes. Ah. Vous avez déjà entendu parler de ça? Non. Non, non. Alors les pierres de runes, les voici, les voilà. Hop. Elles sont là. Mm-hmm. Ah oui. Oh. Tu les éparpilles un peu, tu regardes. Parce qu'elles ont toutes un signe différent. Elles ont toutes un signe différent. On a ça en manie, on va passer à l'équation. Tu as la sacoche. Je regarde s'il n'y en a pas dedans, c'est ça? Non, mais voilà, tu regardes. Je mets le doigt. S'il n'y a pas un double fond. S'il n'y a pas un double fond. C'est bon, t'as repéré. Donc, tu sais, je vais te le prendre. Donc, de la main gauche. C'est un sac magique. Avec ta main gauche. Prends une grosse poignée. Plus que deux. Tu prends tous. Voilà. Et tu lèves. C'est bon. Tout. Allez, c'est bon. Voilà. Mets-les dans la pochette. T'as bien contrôlé qu'il n'y avait pas deux fois la même. Oui. La même image, la même photo, le même signe. Il y en a plusieurs par là. Le même signe de rune. Regarde bien. Ah. Bien regarder. De la main droite, tu vas prendre tout ce qui reste. C'est difficile, non? Ah bah oui, mais c'est pour ça que j'ai dit d'en prendre un bon paquet. Et tu vas les faire rouler. On inversera le processus le prochain coup. Tu les fais un petit peu rouler légèrement sur la serviette. Voilà, c'est bien. Maintenant, toutes les pierres qui ne te parlent pas, où tu vois rien marqué dessus, tu les mets de côté, tu les enlèves. Le petit chat qui est là. Non, celle qui a rien dessus, oui. Oui, on enlève celle-là, celle-là. Vous contrôlez qu'elle ne triche pas, on ne sait pas. Celle-là, on ne voit rien. Non, on ne sent pas qu'il y a quelque chose. Voilà. Ah, il y a encore une. Voilà, donc tu les mets dans le... Donc là, on les met là aussi. Dans le sac, là, voilà. Voilà. Maintenant... De la main, tu avais pris à quoi? La main droite. La main droite, la dernière. Maintenant, avec la main gauche, tu fais rouler. Tu fais rouler. Voilà, tu fais rouler. Tu sais, on ne sait jamais. Hein. Ouais, donc maintenant, je t'ai dit qu'on allait inverser le processus. C'est-à-dire que maintenant, celles où il y a un signe, tu les enlèves. Alors, une. C'est tout? Ouais. L'autre, joue encore. Là, tu la remets sur la nappe. Voilà. Choisis-en une des trois. Choisis une, tu la mets dans le sac, voilà. Maintenant, tu en prends une dans chaque main, voilà. Et tu essayes de dire laquelle est la plus lourde. Celle-là. Bah, tu la mets dans le sac. Il fait son petit truc. Tu sers bien ta main. Depuis le début, petit troll, il a une pochette. Dans cette pochette, il a à l'esprit une prédiction. Il a fait un signe d'une pierre. La blanche, alors. Tu as choisi à chaque fois. Oui. D'accord. On va ouvrir la pochette. Il y a une carte, une seule, il n'y en a pas d'autre. Hein. Une seule carte sur laquelle il y a une prédiction décrite. Je ne sais pas si ça va correspondre. Une encre, oui. Ça. De la pierre. Non. C'est vrai. Bravo. Oh. Incroyable. Regarde. Incroyable. Numéro 1. T'as pas appuyé sur le truc. C'est le rouge, il faut appuyer. T'as pas appuyé. C'est sur le rouge.